coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 2 du mois de mars. J'espère que votre semaine s'est bien passée, nous ça a été. Donc écoutez, on va commencer tout de suite par le bilan. Oups, on va mettre là-bas parce que ça nous gêne pour l'instant. On va mettre ça là. Alors, en alimentation, il nous reste pas mal, franchement. Bon, après j'avais beaucoup de choses, j'avais moins à acheter aussi. Donc il nous reste 20, 30, 40... 50 et plein de monnaie. Donc, je vous avais dit que je commencerai les défis au mois de mars, mais je n'ai toujours pas reçu mon classeur, donc je ne sais pas où trouver les mettre, si j'ai des pièces à mettre et tout. Donc je pense qu'on commencera plutôt pour avril les défis, mais c'est pas grave, ils sont imprimés, pour l'année prochaine ça servira. Donc il reste pas mal de monnaie, j'ai pas compté avant, j'aurais peut-être dû. Il reste 2, 4, 5, 6, 8, 10, ça fait 7, 7,10€, 7,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 7,33 en monnaie alimentation. Alors, pour bébé, on n'a rien utilisé cette semaine, donc il reste 20€. Donc, j'espère que ça filme bien et que vous êtes bien cadré. Oui, c'est parfait. Entretien et hygiène. Alors, on a profité des promos à Intermarché pour acheter adoucissant, choses comme ça. Donc, il reste 5€. Les promos sur l'adoucissant Lénor, ça vaut vraiment le coup à Intermarché, hein, franchement. Et d'hiver, je crois qu'on les a utilisés les 10. Ah bah non. Donc il reste les 10€. Mon chéri, il a tout utilisé. Il avait gagné 10€ dans un jeu. Il les avait remis dedans, mais il les a utilisés. Et voilà. Bon, le défi des 5€, on va les mettre tout de suite. Comme ça, on les mettra au mois dans le défi des 10€. Des 5€. Donc, hop. On va marquer mars. Alors, quand je vous filme la vidéo, nous sommes le samedi 11, donc je vais mettre dimanche 12. Au pire, 12,03. Donc, plus 5. Et nous sommes à 5€. Et on verra à la fin du mois combien on a réussi à mettre en billet de 5. Ce sera plus simple pour moi que de les mettre à la semaine comme ça. Ou alors, je peux les mettre à la semaine et puis garder le tracker pour savoir combien j'ai mis dans le mois, en fait. Je vais les laisser sortir et puis on va faire ça. Donc ça, c'est vide. On va le mettre ici. Donc ça nous fait une petite économie de 2, 4, 6, 8, 85€ plus les 7€, quelque chose en... Donc, on va marquer ça tout de suite. On va mettre ça là-dedans. Dans le petit planeur. Donc, en mars. Voilà. Alors. Voilà. On suit d'épargne. Donc, je prends mon petit stylo. Donc, le 12. 0,3. Alors, en alimentation, on avait dit... je me souviens plus du coup. Donc, il y a 20€ pour les petits. Les 10€ de divers. Les 5€... Ça, on les compte pas, par contre. Et donc, ça fait 2, 3, 4, 50€ en alimentation. Donc, alimentation. Donc, plus 50. Donc on était à 0, donc ça fait 50. Un Jojo. Plus 20. Donc ça fait 5. 7. Et divers. Plus 10, donc ça fait 5, 6, 7. 8. Donc nous sommes à 80€. Donc ça. C'est bien. Hop. On va mettre ça ici. Donc on va
Après, on fera ça après, je pense. Je suis un peu bourbon là. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, on va commencer par le tirage du Monopoly. Non, non, non. Parce que il faut que je vous dise que dans les épargnes, ça a un peu bougé cette semaine. Donc, c'est dans la voiture que ça a bougé. Alors, donc j'ai refait mon classeur, mais je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Ah, voiture, voilà. Donc voiture, j'ai refait. Ah, je ne l'ai pas marqué. Je ne l'ai pas marqué. Donc c'était, je ne sais plus, le 9, je crois. J'ai refait mon contrôle technique et j'en ai eu pour 75 euros. Donc, ce qui fait qu'il restait. Donc là, je suis restée à, 60, à 230. Ouais. Alors qu'il reste 155, je crois. 155, voilà, c'est ça. Mais je sais pas si je vais pas enlever moins 80 et mettre les billets de 5 plutôt dans les défis de 5 euros. Donc je pense que je vais faire ça. Donc j'ai enlevé 80 ici. Donc ce qui fait qu'on est à 150 ici. Donc je vais prendre ma petite éponge. Je vais enlever ici. Pour arriver à 150 euros. Voilà. Donc là, on est à 150 euros dans la voiture, parce que le contrôle technique ayant été fait. Qu'est-ce qui a bougé aussi? Anniversaire, ça n'a pas bougé. Ah oui, Jojo, ça a bougé. Parce que son papa a fait une vente. Il a vendu une console de jeu qu'il avait qui ne servait pas. Et donc, voilà, c'est ça. Et donc, il a rajouté, il lui a mis 50 euros à lui. Il a gardé le reste, on est 200 euros. Donc, il faut que je mette un dépôt. C'était quand? C'était hier. Donc, aujourd'hui, on est le... Ah bah non, c'est bon, je les ai marqués. 50 euros, donc on est à 120 euros. Donc, c'est ça. Je les avais déjà marqués. Dépôt 50 euros, donc on est à 120 euros. Donc, c'est ça, je les ai marqués. Voilà. Et du coup... le reste de l'argent est allé dans l'enveloppe au mois de mon chéri. Parce que j'ai pas d'autre enveloppe épargne pour lui. Donc, hop, tout est là. Donc, il lui a. Donc, il a en plus 150 euros de plus. Donc, je la mets vraiment devant. Parce que là, c'est sa vente à lui. Donc, il les mettra sûrement sur son compte après. Donc, ça, c'est fait. C'est un petit peu décousu aujourd'hui, je suis désolée. Donc là, maintenant, c'est bon. On va pouvoir faire le Monopoly. Donc là, l'enfant s'est arrêté sur 15 euros à mettre dessus. Donc, les petits dés sont ici. Donc, allez, c'est parti. 6 et 4, 10. Alors, on est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, écoutez, il faut mettre 2 euros dedans. Donc, on est à 2 euros de plus cette semaine. Alors, le défi du Monopoly, il est là. Donc, on va mettre 2 euros. Je vais voir si je ne peux pas faire de la monnaie. Je vais mettre plutôt un billet. Donc là, j'ai 2, 4, 5 et 5. Ça fait 10. Donc, je vais mettre un billet de 10. Donc, ça, c'est fait. Hop, ça, ça revient là. Et du coup, je vais mettre les 2 euros pour cette semaine. Donc, hop. Et le reste, ça va aller dans l'épargne du mois. Donc, on est... 2, 4, 5, 6, 7,
70. Billet de 5, on est à 15. Et en monnaie, on est à du coup, on va recompter 2, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 4, 10 euros, 10, 10, 10, 20. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Donc 10,33 euros. Donc on va mettre ça ici. 10,33. Donc si on fait le total, on est à 70 plus 15 plus 10, 33, 95,33 euros, rien pour cette semaine. Donc, et ben, écoutez, c'est vraiment, vraiment pas mal. Sachant que la semaine dernière, on n'avait rien mis du tout. Donc, on va mettre ça ici, dans l'épargne du mois. Hop. Ça, c'est fait. On met ça là. Ça, c'est fait. J'ai pas mis qu'on avait mis. Je sais plus où j'ai mis mon stylo. Écoutez, je vais prendre celui-là, c'est pas grave. J'ai plus mon petit stylo. Non, c'est pas grave. Donc là, on a mis 2 euros cette semaine. Donc dimanche 13, on n'est pas le 12, on est le 13. Enfin, on est le 12 aujourd'hui quand je filme la vidéo. Ah mince! Ben non, j'ai oublié. Avant de faire l'épargne du mois, j'avais dit que je voulais mettre 10 euros dans l'enveloppe de mon chéri, en fait. 10 euros par semaine. Donc, hop. Je lui mets là à chaque fois. Donc, hop, on va reprendre 10 euros ici. Donc j'avais fait une petite enveloppe comme ça en attendant de recevoir mon classeur. Donc hop, il y a déjà le 10 euros de la semaine dernière. Hop, donc ça fait 20 euros de plus. On n'est pas à 70 mais à 60 en épargne du mois. Donc voilà. Hop. Du coup ça c'est fait. Bon, je n'en ai plus besoin pour l'instant. On va mettre ça dans le défi des 5 euros. Ah bah non, du coup, comme j'ai pas reçu mon classeur, la petite enveloppe est ici. Donc on va rajouter 3 billets, 1, 2, 3, donc ce qui fait qu'on est à 145 euros. Écoutez, ma foi, ça monte hein, tout doucement mais sûrement. Donc, voilà, 145 euros, je vais remettre mon petit tracker ici. Maintenant, de recevoir mon classeur, j'espère que ça va arriver assez vite. Donc c'est une livraison estimée le 16 mars, mais je regarde tous les jours sur AliExpress et ça avance pas bien vite. Donc voilà, donc ça c'est bon. Donc maintenant, il nous reste à faire les petites pièces. Donc, on va prendre pareil. Du petit tracker des pièces. Hop, ça on va l'enlever. Donc là on a mis, faut que je mette plus 2 euros dans le défi du Monopoly ici. Plus 2. Comme ça on fera le calcul à la fin.
Donc ça, on n'en a plus besoin normalement. Et on va faire du coup les pièces. On met ça ici. C'est toujours bien cadré. Ouais, c'est pas mal. Donc on va se mettre ici. Hop, on va mettre les pièces ici. Tirelire. Hop. Oh, j'ai déjà ouvert. Alors, les 1 centime, est-ce qu'on en a? J'ai pas l'impression. Non, donc il n'y en a pas. Donc ça, les 2 centimes, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 4. Donc, j'en suis où? 1, 2, 3 et 4. Donc on est à 90 centimes, donc on a presque le rouleau. Hein. Alors les 5 centimes, il y en a 3. 1, 2, 3. Les 10 centimes, j'en ai qu'une. Donc j'espère que vous voyez bien quand même. Hop, on en a une ici. Alors les 20 centimes, ah, j'ai oublié d'effacer mon tracker. Je vais faire ça vite fait. Parce que j'allais faire un rouleau. J'avais réussi à faire mon rouleau la semaine dernière. Donc on recommence à zéro. Parce que pour rappel, ma banque fait en rouleau encore et pas en sachet. Enfin, c'est un peu compliqué ce qu'ils font. Il faut faire nous des rouleaux et seulement après eux ils mettent en sachet. Enfin bref. Okay. Et donc, alors, les 20 centimes, on a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a déjà 20 centimes. Alors, les 50 centimes, on en a 2. 2. Les 1 euro, on en a 2. 1, 2. Et les 2 euros, on en a 3. 1, 2, 3. Et donc, au niveau des rouleaux, ça n'a pas changé. Puisque on n'a pas refait de rouleau depuis. Donc, hop, voilà, ça c'est fait. On va fermer tout ça bien. Et on va passer au remplissage pour la troisième semaine. Hop. Alors. On part, comme d'habitude, sur l'alimentation qui est de 100 euros. Vraiment, je pense à les laisser ouvertes. Les laisser ouvertes, les enveloppes, ça sert vraiment de les refermer à chaque fois. Donc pour bébé, pareil, 20 euros. Mais là, je pense que ça va partir parce que du coup, est-ce que je pourrais pas me faire de la monnaie avec. Il parle du mois. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est tenu. Non, je suis maintenant. Avec l'épargne du mois, est-ce que j'ai. Ah, il y avait 60 euros, donc je vais prendre 50 euros comme ça. Voilà. Alors, on était rendu au petit monstre. Donc, je vais prendre 20 euros pour cette semaine. C'est bon. Ensuite, entretien hygiène. Alors, il lui faut 10 euros pour cette semaine. En sachant que, à mon avis, ça va partir parce qu'il nous faut, des gels douche et du shampoing pour chérie. C'est tout ce qu'il nous faut cette semaine. Donc, peut-être pas tout, mais. Alors, dans divers
10 euros pour cette semaine. Chérie, 20 euros. Donc, je crois que c'est pareil. Là, j'avais pas. J'avais que 50. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans ces. Hop. Je vais prendre 50 euros dans ces soies. Lui, je vais lui mettre un billet de 50 à la place. Et du coup, hop, je remets les 30 euros ici. Et je prends ces 20 euros pour sa semaine. Voilà. Donc le porte-monnaie est rempli pour cette semaine. Mis à part ça, au niveau des enveloppes au mois, ben pour le chien, ça n'a pas changé. Il a toujours ses 20 euros. Beauté, ça n'a pas changé. J'ai toujours pas été faire mes sourcils. Et mon chien, je n'ai toujours pas chez le coiffeur pour l'instant. Tabac, ça n'a pas bougé non plus. Et santé, ça n'a pas bougé. Et en épargne du mois, on est à 60 euros. Donc c'est très bien. Sachant que j'ai pu quand même remplir. Son enveloppe à chérie, donc ça c'est parfait. Donc, je range un peu. Bon, bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de savoir comment se passent vos semaines et vos économies à vous. Et sur ce, je vous dis à très vite, à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous !